Bonsoir, Marek Calter, merci de nous avoir rejoints avec votre livre « Dans tes yeux », sous-titré « Un amour dans le ghetto » aux éditions XO. Alors, vous y évoquez un amour pur et impossible en plein cœur du ghetto juif de Varsovie sous la férule nazie, un texte qui s'accompagne d'un immense fil rouge, le Cantique des Cantiques, dont vous reprenez des extraits au fil du récit. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de revenir à l'enfance, au passé, à l'enfance et à votre jeunesse? Est-ce que c'est une façon de mieux dompter l'avenir? Deux raisons. D'abord, en vieillissant, c'est les images de l'enfance qui étaient floues deviennent de plus en plus nettes. C'est extraordinaire. Je me souviens mieux de ce qui s'était passé il y a 80 ans qu'hier. Et je me suis rendu compte que je n'ai pas raconté la vie quotidienne des Juifs, 500 000 Juifs enfermés dans les ghettos, sachant qu'ils vont mourir, comment ils reconstituent la vie. Vous avez parlé de la résilience. Je n'aime pas le mot résilience. Ah. Parce que résilience, ça veut dire accepter. Mm-hmm. Je n'accepte pas. Et puis, il y a une fille qui ressemble un petit peu comme Anne Frank à Amsterdam. Elle est à Varsovie. Elle est un peu plus jeune. Elle a 12 ans. Elle lit les Cantiques des Cantiques. Et ces Cantiques des Cantiques, les plus beaux chants de la Bible, érotique, et lui permet de regarder ce qui se passe autour d'elle d'une manière, disons, neutre, si on peut être net. Elle raconte comment elle sort, elle voit des morts dans la rue qui sont ramassés par les pompes funèbres sur les petites charrettes à bras et déposés dans une fosse commune. Comment les restaurants sont pleins parce que des gens continuent, ceux qui ont de l'argent continuent. Comment la police juive travaille, comment la police allemande travaille, comment elle raconte la condition humaine, cette condition humaine qui Malraux a essayé de raconter dans un très beau livre. Marek Calter, vous faites référence au Cantique des Cantiques, vous parlez de cet hymne à l'amour. Alors parfois c'est l'amour entre deux personnes, mais parfois aussi c'est perçu comme une allégorie de l'amour entre Dieu et son peuple, un peuple particulièrement mis à l'épreuve ces derniers jours, ces derniers mois. Vous avez raison. Au premier siècle de notre ère, quand les sages sont réunis pour compiler, sanctifier les textes qu'on lisait déjà depuis 2000 ans, il y avait ces textes que Rabbi Akiba aimait. Et il a compris qu'il passerait pas, que les autres n'accepteraient pas parce qu'il est trop érotique. Alors il a dit que c'est une allégorie, c'est l'amour entre Dieu et son peuple. Mm-hmm. C'est peut-être l'amour entre Dieu et son peuple, mais c'est aussi un amour charnel entre deux êtres, entre une femme et un homme. C'est le seul endroit de la Bible où la femme parle, où on entend la voix féminine. D'ailleurs, dans les livres écuméniques, c'est marqué « lui-elle ». Lui-elle, c'est comme au théâtre, un dialogue entre un amant et amante. Et je trouvais ça tellement décalé par rapport à ce qui se passait dans les ghettos. Et je vous dirai plus ce qui se passe aujourd'hui. On a vu tout à l'heure les cris d'une femme qui a perdu son mari. Hein. Bon, il est possible que d'autres otages sont morts aussi. Et je trouve que la vie à Tel Aviv continue, les gens continuent à s'aimer, à faire l'amour, les enfants naissent. C'est ça la force de l'homme, des femmes, des individus. Face à la détresse, nous sommes plus forts. Alors, on va quand même reparler de cette notion, si vous le voulez bien, Marek Calter, de résilience. Oui. Je voudrais vous faire réagir à ce mot de résilience que vous avez l'air de pas trop aimer. Vous allez nous expliquer pourquoi. Cette résilience qu'on a vue du peuple juif dans son ensemble, des Israéliens aujourd'hui de façon plus particulière, est-ce que vous pensez que ça fait partie de la solution ou peut-être plus au contraire du problème ?
C'est vrai, il y a deux solutions. Humaine, ça veut dire de nous, de vous, moi, et ceux qui nous regardent, et solution politique. Bon, solution politique, moi j'étais toujours pour parler à son ennemi. C'est comme ça. Parler à son ami, il n'y a pas de problème. Moi, je suis allé pour libérer Gilad Shalit, je suis allé voir en Syrie ces fameux Khaled Meshal, les chefs de Hamas. J'étais obligé de lui serrer la main, comme la main d'Assad. Mais c'est Noah Shalit qui m'a demandé de le faire, un père qui voulait sauver son fils. Et chez nous, il y a une loi, une règle. Hein, chaque vie est l'humanité. Vous sauvez une vie, c'est toute l'humanité qui vous sauve. Donc, ça, c'est la première chose. Premièrement, sauver des vies. Après, bon, Golda Meir, après ce qui s'est passé à Munich, il faut regarder les très beaux films de Spielberg, hein, les athlètes israéliens assassinés froidement par un commando des assassins. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Un par un, ils étaient liquidés. On n'a pas besoin d'une bombe pour tuer un assassin. Un revolver suffit, mais il faut savoir tirer. C'est tout simplement. Alors, pour le reste, il y a, je voulais dire, Bernanos, c'est un écrivain français connu, catholique, un peu antisémite. Mais il a dit une phrase qui m'a frappé quand je l'ai lue. Pour les Juifs, vaincre, c'est durer. C'est extraordinaire. Nous sommes là depuis des millénaires. On nous a massacrés, on nous a persécutés, on nous a méprisés. Et nous sommes là, nous sommes en train de parler. C'est ça notre réponse. Parce que nous posons un problème au monde, le problème de la justice. Justice, justice, tu poursuivras, dit le psalmiste. Justice, justice. C'est ça notre devise. Et ça dérange les gens. Le mot justice, ça dérange. Mais je vais bien déranger et risquer ma vie pour cela. Alors, Israël, pour moi, c'est comme ma mère. Ma mère, je l'aimais beaucoup, je la trouvais formidable. Elle m'énervait tout le temps. Parce que j'exigeais d'elle, je voulais qu'elle soit exemplaire. Je voulais qu'elle soit meilleure, plus belle, plus intelligente que toutes les autres mères. Or, Israël est devenu un État. Hein, il y a des prisons, il y a des voleurs, etc. Il y a des gens gentils, généreux, ceux qui ne les sont pas. C'est un État, ce n'est pas seulement une communauté. Et il faut préserver. Il faut les préserver parce que ce n'est pas seulement parce qu'il y avait la Shoah. Je crois que c'est un mauvais argument. Oui, ça vous tient toujours à cœur de rappeler qu'Israël n'a pas été créé pour et en réponse à ce qui s'est passé pendant la Shoah. Vous, c'est très important pour vous de le raconter. Exactement. Et de le marteler. Bravo, vous avez tout à fait résumé ça. Nous avons mal expliqué. Israël était c'était la justice. Vous savez, il y a hadith dans le Coran qui raconte quand le calife Omar conquiert Jérusalem, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher les rabbins de Jérusalem, les grands rabbins, pour qu'ils lui expliquent où se trouvaient les temples pour construire la mosquée, ce qui est la mosquée d'Omar, à l'endroit même. Ça veut dire que les Juifs étaient là. Il y a Chateaubriand, encore un grand écrivain français, il y a deux siècles et demi, fait un voyage à Jérusalem. Il faut lire son petit livre Itinéraire de Paris à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il rencontre? Des Juifs. Des Juifs. Il ne connaissait pas des Juifs. D'un seul coup, il les découvre et il dit une phrase géniale. Il dit, ces vrais maîtres de ce pays, les vrais maîtres de ce pays. Les Juifs n'ont jamais quitté Israël. Jamais. Hein, les Talmuds de Jérusalem, il était écrit au 4e, 5e siècle par les Juifs qui vivaient à Tibériade, à Safed. Ils étaient là. Et ils sont battus pour avoir Israël.